un live. Je demande des troupes. Et je vais donc, alors, voilà, réarmer tout ça, former les troupes. Hey, du COC. Bah donc, excusez-moi, j'avais lancé le live. J'avais lancé le live, mais en fait, j'avais pas lancé. Donc, en fait, j'ai fait une petite attaque où j'ai gagné quasiment ouais, 200 000 d'or, 170 000 d'élixir et 405 d'élixir d'or. Donc, c'est pas mal. Vous voyez que je prends quand même pas mal d'élixir d'or. Hein. 200 à chaque fois, plus le bonus 200, 200, 300 à chaque fois. Donc, voilà. Et donc, là, je vais aller voir. Donc, ma. Voilà, c'est là. Donc c'est un HDV9. On va voir un petit peu son village, je crois qu'il n'est pas non plus énorme, mais il a quand même fait 46%, je crois, il m'a pris quand même 5 000 de chaque. Ouais, il n'est pas énorme. Envoie une amélioration de troupes. Ouais, c'est ce que je pensais faire, une ju. Enfin, une ju COC. Sauf que regarde, si tu regardes bien, j'ai un ouvrier dans 12 heures, dans 20 heures j'en ai un autre, et dans 20, enfin, dans 20 heures j'en ai deux. Donc je préfère garder l'élixir pour lancer la foreuse niveau 5 puis après niveau 6 dès que je peux. Ensuite, ensuite je ferai pas après, ensuite je, ensuite avec voilà, il y aura la foreuse, la reine. Normalement je pense que j'aurai assez dans 20 heures. Après que l'or, je pense que j'améliorerai un petit mortier. Donc voilà. Sinon pour l'élixir, ouais, j'améliorerai ça dans le niveau 6, celle-là aussi. Puis après je vais améliorer que les troupes. Et les remparts, tous les remparts. Hey Mike, ça va? Ça fait longtemps. Donc là j'ai formé, donc on va voir la défense. 41%, donc j'ai gagné 20 trophées, c'est toujours ça. Donc il a été, ouais, une compo quand même assez simple. J'accélère un petit peu. Ok, j'ai pas trop, beaucoup de troupes dans le château. Il met des archers. Après j'ai quand même une défense entière et qui est une amélioration, plus les deux archers. Donc c'est un petit peu normal aussi qu'il a réussi à faire. Pourcentage, j'ai rien de 10, bien joué. Bien joué, moi j'ai niveau 5, il faut que je l'augmente un petit peu quand même. Ça va et toi? Ben, ça va super bien. Depuis 2 jours, elle est trop bien. Là, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc 11%, attendez, j'accélère un petit peu. Donc honnêtement, je pense qu'il va prendre juste là. Enfin, pas l'extracteur, mais comment on appelle ça? Le réservoir d'élixir. La réserve d'or. La réserve d'or ici, le réservoir d'excès aussi. Ici. Et je pense que c'est tout, il va prendre que ça. On va accélérer un petit peu, mais je pense qu'il va prendre que ça, voilà. Donc, ouais, avec les gobelins, voilà, c'est ce que j'ai dit à peu près. Ouais, barbare archer aussi. Yo, Merguezman, ça va? De pire. Donc voilà, comme j'ai dit, voilà. C'est exactement ce que j'ai dit en fait. Il a pris exactement ce que j'ai dit, donc. C'est pour ça qu'il a récolté 5 000. Par contre, il a fait 40%, donc voilà. Ouais, les gobelins. 400 000 de chaque à récolter, plus 1500 d'élixir d'or, c'est quand même pas mal. 1500, ouais, 1450. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Faut vraiment que j'améliore des choses. Enfin, dans 20 heures, de toute façon, j'aurai plus d'or et plus d'élixir. Hein, et plus d'élixir d'or. Donc comme ça, on va plus payer, on va plus me payer au moins. Donc je forme. Donc si vous voulez voir un petit peu la guerre de clan, pour ceux qui étaient là hier, ben pour l'instant on la gagne 20 à 10. Il nous manque 10 étoiles et après on a un maximum d'étoiles. Et eux, ils ont encore celui-là, 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 donc ça va, ils peuvent faire encore. S'ils réussissent, ils peuvent faire 9 étoiles, enfin 3 étoiles, mais je pense pas qu'ils vont réussir. Et ça, ils nous gagneraient, ouais. Ah, ils peuvent encore gagner, je pense. Mais je pense qu'on va encore faire des étoiles. Hein. Ah, il m'a fait des étoiles. Je vais voir un petit peu comment il l'a fait. Salut Dag Designer. Montre ton profil. Ouais, je vais montrer mon profil après si tu veux. Voilà mon magnifique village en garde clan. Comment il attaque. Donc des ballons pour sortir les troupes du château de clan. Ok.
un archer pour les amener là et pour tous les détruire. Enfin, les tuer, ouais, les détruire, quoi. Ouais, après, c'est une compo go whip. Luc. Ouais, quasiment 100. Coucou, Aidan, 62. Ouais, niveau 79. Ça fait pas mal de temps que j'ai niveau 79 en plus. Mais c'est parce qu'en fait, pendant 2 jours. Parce qu'en fait, pendant 2 jours, j'ai pas joué pour ça. Sinon, je pense, je serais pas, peut-être pas niveau 100, mais assez proche, quoi. Bien joué à lui. Donc ouais, niveau 100. Ouais, voilà, je pense que si j'avais bah, si j'avais joué, si j'avais joué. Ouais, si pendant 2 jours j'avais joué parce que la mercredi jeudi. Non, c'était jeudi vendredi. Non, enfin. Mercredi. Ouais, c'est jeudi et vendredi. Subtil. Ouais, mais jeudi vendredi. Je n'ai pas joué à Clash of Clans une seule fois. Et donc du coup, c'est pour ça, mais je pense que sinon je serais déjà à niveau 100. Alors que je vous parle, mais je pense que voilà, ce soir, enfin, pas ce soir, dans 20 h, donc ça sera demain matin, je serai niveau 100 sans problème. Et donc je vous ferai une vidéo spéciale pour le niveau 100, pour mon parcours, tout ça. Allez, 262, mais le Go MIP, c'est ouais, ça, moi je dis ça dépend des villages. Et donc, ouais, quelqu'un voulait voir mon profil, donc voilà, JCOC. Donc voilà mon profil. Après, voilà, j'hésite à monter mon sort de soin niveau max, niveau 6. Mais après, il faudrait que je monte la foreuse, donc je préfère, tu vois. Enfin, j'hésite. Ouais, je préfère monter la foreuse, ça sera fait comme ça. Je sais pas, j'hésite parce que dès que j'aurai tout amélioré, il faudra que j'attende à chaque fois super longtemps. Donc là, j'hésite. Mais si je fais ça, j'aurais plus de. Ah, si j'aurais un ouvrier. Bon, allez, on va lancer ça alors. 6 millions, ouais, non, j'aimerais bien avoir 6 millions pour lancer les archers. Je vais lancer les archers 6, je pense. Ouais, il me manque 600 000, ok. Je pense que je vais faire ça parce que. Imagine, donc, comme je vous ai dit, t'aurais dû up tes golems. Tu fais review, ouais, je fais review. Ouais, j'aurais dû up mes golems, ouais, c'est vrai. Si le live bug relancé. Ça peut que les déchargements donc relancés. Des chargements assez longs. C'est golem, mais je peux pas lancer mes golems. Ça coûte 60 000. Et il me faut 30 000 de plus. Je lance le sort de soin pour le niveau max. 7 jours, ça dure 7 jours. Sinon les archers, ça dure combien de temps? 10 jours. Ouais, je pense plutôt que j'ai lancé les archers. Je pense. Il me faut juste. Enfin 600 000. 600 000. Parce que imaginons, je lance. Enfin, imaginons, je marque ces 2 foreuses. Après, il me restera juste les troupes. Et je pense que ça va un petit peu m'ennuyer en fait de monter toutes les troupes. De monter, si vous voulez, toutes les troupes. Une par une. Enfin, il n'y en a pas tellement que ça en fait. C'est surtout les Xenor en fait. Non, ouais, je pense que je garde en fait. Parce qu'en fait, il n'y a que les archers barbares, géants. Gobelet à mettre niveau 6, donc 2 niveaux. Graisseuse niveau 4. Sort de soin, et après j'ai plus rien. Enfin, j'ai plus rien, c'est déjà pas mal. Mais voilà, ça fait 10 jours, 10 jours, 10 jours. Ça fait 5 et je pense 3 jours. 5 jours. Et 7 jours, donc ça va. Mais après, ouais, niveau des sonores, ouais, par contre, là, ça va être vraiment très très long. 10 jours, 10 jours, 10 jours. Du jour. Donc voilà, ouais, je pense non, en fait je vais garder pour améliorer une petite forme. T'as vu mes attaques à deux clans? Non, j'ai pas vu. Moi j'ai mon profil, mais je suis juste Préma des murs. Ouais, pas bah, dommage. Dommage. Attendez, je donc j'ai pas vu. Hein. Je vous ai montré vite fait mon profil. Donc voilà. Donc j'ai que les balles au max et le sort de rage. Après les étoiles en mode solo, je les ai pas faites. Faut vraiment que je les fasse en vidéo. À chaque fois, je me dis, faut que je les fasse en vidéo, mais je les fais jamais parce qu'en fait, je vais faire des bonnes attaques. Si vous voulez, pour tout, pour les levels, enfin, si vous voulez, par exemple, vous êtes niveau
30, on va dire, vous allez attaquer par exemple le mode solo qui est, attendez, qui est vraiment assez simple. Mais en fait, je vais donner, ah celui-là il y a 5, 9 000 quand même. Je vous donne une technique si vous voulez pour les bas level pour qu'ils réussissent à faire à détruire le village en entier. Waza, t'es là. Donc, je vous remontre mon profil. Donc voilà, j'ai. Après, voilà, tout ça. J'ai 251 millions. 200 millions de l'élixir volé. Doré, doré. J'ai monté à 2680 trophées. J'ai détruit 7000 remparts. Donc, c'est quand même pas mal. Et là, j'ai bientôt voilà, un succès. Il manque juste 2000 d'élixir noir. Après, j'ai le succès. Enfin, même pas 2000. 1100. J'ai le succès. Je gagne que, je crois que je gagne que 10 gemmes. Hein. C'est pas énorme. Hein. Ouais, 10 gemmes. Bon, je gagne quand même 100 XP. Enfin, 100 XP, c'est pas énorme non plus, vous allez me dire. Moi je suis à l'avant-dernier dans la map gobelin, j'arrive pas. Faut que je fasse du drag. Ouais, faut que je vous donne des techniques pour les donc pour les bas level comme j'ai dit en mode solo, mais aussi pour les haut level pour faire toutes les maps du mode solo facilement. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo aussi pour refaire les maps solo, les maps ouais, les maps solo du début avec Barbare Archer, je pense, pour récolter leur élixir qui reste. Donc par exemple, là, il reste 500 et 1000. Là, il reste 500, 500. 500, 0, 4000, voilà. Je pense qu'un barbare archer avec 220 barbares et archers, à une seule fois, j'aurais réussi à gagner tout l'or de l'élixir qu'il y a là. Donc voilà. Bah, par contre, celui-là, il est assez énorme. 550 000, c'est quand même pas rien. Tu vas bien, le 4? Je vais très bien, c'est bleu. Tu fais du full G05 pour le dernier. Encore 64 murs. Au level 8 et HDV9. Ok, bah bien joué. Bien joué, Matt, quand même. Pour PK Land, t'as fait combien? Bon, le temps que ça se forme un petit peu, on fait un petit review, allez. Twitch Family. Ouais, donc, en gros, c'est une famille de Twitch. Ah, c'est la risque crédit, ok. Ok, il y a du monde, ouais, il y a du monde. Et niveau combien Sky d'ailleurs? Il était quasiment le même niveau que moi, sur le même HDV. Elle est pas là peut-être. Elle est pas là. Elle est partie. Enfin, il est parti, il était. Donc, tu t'appelles comment d'ailleurs? Parce que si je regarde, tu t'appelles Njut. Ok, t'es niveau. Ouais, t'es niveau 105, bien joué. Niveau 105, bien joué à toi. Donc, pour tous les nouveaux d'ailleurs, n'hésitez pas à abonner à la chaîne Twitch. Hein. On est bientôt 1000 abonnés. Donc, t'as HDV9, t'as tous les mortiers max. Oui. Au niveau des défenses anti-aériennes, ouais, t'en as aucune avec les niveaux 7. Moi, j'en ai lancé une niveau 7, donc vraiment, pense à les lancer. Comme ça, tu te feras moins attaquer avec des. Avec des troupes aériennes. Donc tu fais village farming, je peux te conseiller bien si tu veux. Hein. C'est vraiment pas mal. Tu fais une compro barbare archer, t'as les archers niveau 6 bien joué. Et t'as ouais, donc t'as le sort de soin toi niveau max et le sort de rage. Ok. 34 millions. Pas mal. Donc château de clan au milieu, bien joué. T'as les arcs niveau 2 par contre. Ah dommage. Moi j'ai des niveau 3. Des canons, ouais, après t'as tout max, ça parlait tour d'archer et défense antiaérienne. Et les tours de sorcier aussi. Après, t'as tout max. Non, t'as pas les canons aussi. T'as pas les canons et tu montes une foreuse, ok. Foreuse niveau 5. Voilà, il faut que tu montes tes remparts aussi. Sinon, bien joué. Barbare 6 en ce moment, bien joué. Ah, tu l'as lancé ça. Barbare 6, ok, bien joué. Ouais, il faut vraiment que je monte au moins les archers 6. Dès que je peux. Salut, Barbare 52. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Donc je vais bientôt attaquer, hein, 184. Vous allez voir que je vais trouver des villages avec pas mal de ressources, parce qu'en ce moment je trouve des villages avec pas mal de ressources, je sais pas pourquoi, mais j'en trouve pas mal, donc tant mieux pour moi, vous allez me dire. Je vois pas le live, j'ai l'écran noir. Si t'as un écran noir, Barn, c'est. T'as juste à relancer le live, ça bug, t'inquiète pas. Après je t'envoie au Golem 4. Ah, et bien joué. Bien joué. Clan Fusion FR.
Attendez, je vais aller comme ça. Il m'a dit qu'il est 180e de France. Le clan. Donc, on va aller tout en bas. Je crois que full GR4 sort de soi-même sur PK. Land, ça passe. Merci à Sophia pour les troupes. 180, donc. Ton clan, il s'appelle comment déjà? Snobby.